Ça n'a rien à voir. Oh, stylé avec le Goku qui est choqué, incroyable. Oh là là, la miniature, voilà. Et on avait la miniature, là. Ah, ça dommage. Ah tiens, oh, il se transforme. Oh, SSJ Blue. Kaioken. Il est trop fort pour nous. Il faut qu'on fusionne. Incroyable. Tellement stylé. Ah, c'est une dinguerie. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Dragon Ball Xenoverse 2 modé. J'enchaîne les vidéos Xenoverse 2, j'en fais une tous les deux jours en ce moment. Dites-moi si vous kiffez. Moi, je prends un plaisir monstrueux à en faire. Et puis, je sais que vous adorez ça de toute façon. Donc, je crois que c'est bien pour tout le monde. Je crois que tout le monde kiffe. Donc, autant continuer. Il y a plein de modes à tester. Il y a 1 milliard de modes qui sortent par jour. Donc, vraiment, on a de quoi faire avec ce jeu. C'est vraiment trop cool. Et aujourd'hui, on va tester un truc un petit peu original qu'on avait déjà testé en live. Kyle et Caulifla. Assez sympathique dans mes souvenirs. Je l'ai pas énormément testé, mais il me semble qu'elle est très cool. Elles sont très cool. Et on va pas perdre plus de temps. Elles ont 2 sets, mais je crois que l'autre set, c'est pour les techniques... Ouais, c'est pour les techniques de Kefla, je crois. J'ai spoil. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans l'intro, j'imagine. La fusion en Kefla, ça va être absolument incroyable d'avoir un personnage duo. Et en plus, après, ça fusionne en Kefla. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. Ne perdons pas plus de temps, let's go. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le si vous regardez les vidéos. Oh là là, l'intro, incroyable. Incroyable, ça commence déjà très bien. Une aura stylée, est-ce qu'elle a... Ouais, elles ont les charges qu'on aime bien. Ah, franchement classe, hein. Franchement classe. Comme d'habitude, j'enlève le HUD et ma cam, et on va pouvoir voir ce que ce perso donne. Donc du coup, on joue Caulifla. Au début, elle a une façon de courir, c'est... Ah, c'est classe, en vrai. En vrai, c'est classe, hein. J'aime bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a double crush, en bon anglais. Le combo, j'ai jamais joué Caulifla de ma vie, mais... Bah, je crois que c'est ses combos, hein. Vous me redirez dans le commentaire, vous qui connaissez bien mieux le jeu que moi. Mais on est d'accord que c'est... le combo de base, hein. On va pas se mentir. Ok, c'est sympa. À part en même temps, c'est stylé. Double crush, c'est quoi? Ok. D'accord. Ça doit être une attaque qu'elle a, mais bon, je vous avoue, j'ai jamais joué Caulifla. Ah, ça, je connais ça. Ça, je connais. Ça, c'est la Caulifla. On peut parer pour arrêter l'attaque et reprendre plus tard. Et au bout d'un moment, tellement chargé que ça fait des dégâts colossaux. Je sais pas si à un moment, il t'indique que c'est chargé à fond. Là, c'est chargé à fond. Let's go! Incroyable, mais sinon, ça m'a l'air très classique. Red Blast, c'est quoi? Ah, c'est le truc de Kefla, mais on dirait pas exactement le truc de Kefla. Ok, oh. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est les ultis, ok. C'est vrai qu'au niveau là du moveset et tout, c'est assez classique. Pour l'instant, c'est Caulifla, mais dès qu'on va faire les ultis, on va voir ça. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Oh, stylé avec le Goku qui est choqué, incroyable. Oh là là, la miniature, voilà. On avait la miniature, là. Let's go. Incroyable, attendez, je reveux pour le mode photo. Ah, c'est tellement classe, c'est super original, je trouve. Le modeur, il a une trop bonne idée de faire ça, hein, vraiment. C'est tellement classe. Regardez-moi ça. Ah, oh, c'est tellement stylé. Ah, oh, c'est incroyable. Voilà, hein, la miniature. Pas plus compliqué que ça, hein. Ah, oh, très stylé comme attaque, hein. Vraiment très classe. Est-ce que ça se combo, vous pensez? Genre par exemple, je fais ça et là j'enchaîne. Non, ça s'enchaîne pas, c'est assez compliqué. Peut-être avec un autre combo, mais pas celui-là en tout cas. Ah, peut-être celui-là. Non, vraiment pas, ok. Ça va être assez dur à caler du coup. Et enfin, Blaster Stream Rush. Ok. Oh, let's go. J'aime bien les enchaînements comme ça, moi. Oh. Ok. Franchement sympa, hein. Franchement très sympa, hein. Hop. Oh, je tente des trucs, hein. Ça passe pas, ça? Ah, il y a plus de sens que ça passe, ça, par contre. Ah, il passe entre les deux, j'ai le seum. Par contre, ce que je viens de faire, ça peut peut-être passer avec l'autre. Ah non, ça passe vraiment pas. Assez compliqué à lancer. Ok. Ah,
Ah, compliqué, compliqué à lancer. Oh, ça passe ça. Ok, si TP pas, ça passe. Ah, sympa. Ah, incroyable. Elle est incroyable l'attaque. Hein. Vraiment, je suis fan. Je suis fan. Et du coup, vous avez bien compris. Hop là. On a du coup une fusion en Potara. Let's go. Ah, tellement stylé. Ah, ça rend super bien. Vraiment, ça rend super bien. Et du coup, on a le moveset de Kefla, j'imagine. On a le moveset de Kefla, celui-là, je le connais déjà un peu plus. C'est incroyablement stylé. J'aimerais bien trouver un jour une Kefla modée qui est pas transfo, qui a des transformations, en fait, au fur et à mesure. Ça pourrait être incroyable. Si vous connaissez, franchement, je prends. Hein. Incroyable. Allez, touche, 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 touche. T'arrêtes pas. Oh, il est mort, carrément. Oh, trop de puissance, la Kefla. Trop de puissance, mon gars. Ok. Gigantique Blaster, ok. Et on peut TP. Blaster Ball, c'est ce qu'on vient de faire. Ok, est-ce qu'on a des techniques Kefla à pas? Est-ce que Kefla est modé, en fait? C'est ça la question. Jusqu'où le mode va? Déjà qu'il fait des très 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 belles ultis, avec une belle transo, c'est très cool en vrai. Moi je trouve d'avoir déjà un mode aussi original, je trouve ça vraiment très cool. Et en plus, d'avoir Kale Caulifla qui fusionne en Kefla. Franchement, je trouve ça très cool, ça s'enchaîne très bien. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Regardons les ultis, vite fait. Ouais, ça m'a l'air assez classique. Ça m'a l'air assez classique, mais de toute façon, quand on se souvient de l'ulti de Kefla... Voilà, est-ce que vraiment il y a besoin d'autre chose? L'ulti de Kefla est déjà vraiment sympa. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de plus. Ok, bah écoutez, donnez-moi une petite note pour cette Kefla, Caulifla, Kale, le mélange des trois. N'hésitez pas à me donner une petite note, moi j'aime vraiment beaucoup, hein, franchement. Peut-être pas autant que le Jiren qu'on a testé la dernière fois, mais j'aime vraiment beaucoup. On va les tester en combat, voir si elle est vraiment pétée. Et ça va faire peut-être une vidéo un peu courte, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ce personnage en vidéo. Et c'était l'occasion, donc allons tester en combat. En plus, on a une entrée en scène que je trouve vraiment sympa. Oh là là, mais tout est bien fait, franchement les deux sont trop cool, hein. Je suis pas forcément fan en plus de Kale, Caulifla, Kefla, mais franchement là dans Xenover j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là. Ah, j'ai plus le HUD. Ok, donc j'ai mis le Goku qui se transforme un million de fois. S'il va jusqu'au SSJ Blue, il aura peut-être le revive, donc ça sera RP. Ça peut être vraiment sympa. Je ne fusionne pas tant qu'il s'est pas transfo. Ok. Bon après les combos classiques. Ah, oh, salaud, il m'a chop. Il m'a chop. On va tenter peut-être une spé, c'est le stamina break. Ah, il est énervé. Oh bah alors là. Alors là mon gars. Oh bah il est foutu. Il est foutu. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Ouh. Ah ça va. Ça va, ça va. C'était surtout l'enchaînement au début qui faisait extrêmement mal. Après ça allait un peu mieux. Est-ce que tu vas te transfo mon ref? Ah, ça dommage. Ah tiens, oh il se transforme. Oh SSJ Blue. Kaioken. Non mais calme-toi frérot. Oh la vache. Ok, tu veux jouer? Il est trop fort pour nous. Il faut qu'on fusionne. Incroyable. Tellement stylé. Ah, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie là. Allez. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire Sangoku? Oh merde. Ça c'est pas gentil. J'ai même pas regardé du coup c'était quoi le limit burst. Oh la vache. Il vient de battre. On envoie des boulettes. Ok, maintenant. Allez, dégage. Dégage. Ok, il revive. Il revive. Oh là 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 là, c'est tellement stylé. Trop RP, c'est trop RP. Y'a rien qui va. C'est beaucoup trop RP. Bah, j'en profite pour charger, hein. Vous savez quoi? On va en profiter. Oh, du coup, ça la régène un peu en PV. Ah, il en met du temps, hein. Allez! Viens de battre. Oh la vache. Ouais, il spam! Oh le fou! Et je crois qu'il peut encore se transfo derrière. C'est terminé, Sangoku! C'est terminé! On va essayer de faire le. Son attaque ulti. Allez. Non, ça passe pas! J'ai trop le seum! Ok, ça a touché. Ok, il tombe.
Dégage! Ok. Oh la vache! Allez! Faut mourir un jour! Oh, encore! Ah, oh la vache! Oh l'effet! Oh, ça fait peur! Vas-y, charge, c'est maintenant ou jamais. Il est en ultra instinct maîtrisé. Oh, il est full life, hein. Je sais même pas si on va gagner, du coup. Ouais. Je sais même pas si on va pouvoir gagner face à lui. Oh, le salaud. Oh là là, à tout moment, il nous déglingue, hein, je vous le dis. Allez, il faut mourir. Je suis concentré, les gars. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir dans cette game. Pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait pour y arriver. Ça serait RP, mais... Oh la vache. Wow. Jamais. Ah, oh, il a tellement d'endurance en plus. Ah là 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 là. En fait, ça me coûte du ki, je viens de remarquer ma transformation. Il se TP pas, hein. Oh, il a explosé. Non, je suis dégoûté. Pourquoi je commence avec une game lose? Oh non. Dommage. Mais c'est RP. J'ai fait un combat RP. Je ne pouvais pas gagner. Il était trop fort. Ok, cette fois, on affronte Vegeta Blue Evolution. Ça devrait être un petit peu plus faisable. Non, 2v1. Allez, cette fois, je fusionne pas. On a vu que la fusion, au final, c'était peut-être pas forcément une très bonne idée. Tout ce qui se passait derrière. Ça fait des bons dégâts, ça, hein. Même si tu le charges pas, ça fait des bons dégâts. Hein. Ok. C'est quoi mon évasion? Ok, c'est la vague explosive, c'est pas dégueu. J'y crois. Ah non, ça va vraiment pas assez loin. Peut-être s'il s'approche. Oh, ça touche. Oh, il a TP, il a pas pu. Oh, let's go. Ah ouais, non, ça fait des très bons dégâts. Hein. C'est vraiment des très bons dégâts. Du coup, je vais re-regarder le limit burst. Ok, récupération de vie et de stamina, ok. C'est gagné, mon gars. Allez. Oh, j'allais dire, attends, si ça touche pas. Ok, bon, tout de suite. Comme c'est pas un perso très modé. C'était un perso modé en face, hein, il avait des attaques de DBL. C'était un perso modé. C'est tout de suite plus simple, bizarrement. Ok, j'ai voulu tenter un truc. On est sur la map de Xenoverse 1, c'est n'importe quoi. Contre Chalette. Y'a rien qui va dans ce combat. Vraiment, on peut monter haut ou pas? Ah, c'est stylé, putain, ça rappelle tellement de souvenirs, cette map. Oh là là, incroyable. Je sais pas jusqu'où on peut aller, mais... C'est classe. Est-ce qu'on fusionnerait pas contre Chalette? Est-ce qu'on fusionnerait pas? Oh, est-ce qu'on a vraiment besoin? J'ai envie de tenter un Symmetrical Blaster. Oh là 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 là, il est trop fort. Il en SSJ God aussi. Compliqué. Ah dommage. Il me burst. Ah, il a de la vie, hein, Chalette. Hein. Non, attention. Oh là là, il s'arrête pas. Hein. Fais gaffe, il peut me détruire très facilement. Pas le meilleur perso. Hein. On fait des bons dégâts quand on attaque, mais... Au niveau des combos et tout, c'est peut-être parce que je connais pas le personnage, surtout, ça, c'est assez moyen. On peut aller loin. Là, vous voyez, je peux très difficilement combo, alors que lui, une retournée, y a plus personne. Ah ouais, non, c'est compliqué, hein, il va me tuer, je pense. Il va me tuer. Non, je suis vivant. Ok, je tente le tout pour le tout. Ah ça fait vraiment des bons dégâts, hein. Vas-y. Ah là là là, vous pensez que la... Non, ça me régène pas, je pense. Je pense vraiment pas que ça me régène. Non, il a fait le pied. Ah non, mais j'arrête pas de perdre mes games. Il est pas très fort, le perso. Il est stylé, mais pas très fort. Incroyable, la map. Incroyable. Bon, est-ce que je pourrais gagner au moins contre un perso, s'il vous plaît? Un perso, j'ai le droit ou pas? Stylé, la map. Moi, je découvre des maps, hein. Il y a plein de maps que j'ai installées que je fais jamais, donc... Autant découvrir ça avec vous. Allez, retourner, c'est compliqué avec elle. Hein.
Vous voyez comment je mets du temps à me retourner? Ray Blast. Ah, il esquive tout! Oh, le fou. Mais non. Eh bah, dis donc. Ok, j'y crois. Vas-y, tire! Ok, il s'est pris. Oh, ça fait des bons dégâts, ça. Ça fait des bons dégâts. S'il se transforme, je fusionne. Seulement s'il se transforme. Oh, je vois rien avec les montagnes. Pas simple. Tu te calmes? Oh, les dégâts. En vrai, ça va, j'ai... Ah, il se transforme! Vas-y! Oh, on a stamina break, let's go! Oh, il est en SSJ 3, je sais pas quoi. Meurs! Ah, il prend rien. Bon, vas-y, on va le finir comme ça. Vas-y, let's go. Vas-y, il a plus de vie, là, c'est terminé. C'est terminé, mon gars. Ah, dommage. Oh là, attention, il va me faire très très mal, il détruit des rochers et tout, là. Dégage. Voilà. On a réussi une game avec Kef là. Il m'a fait peur à la fin. Il m'a vraiment fait peur. Allez, pour finir, parce que, comme d'habitude, vous aimez me voir souffrir. Black Cooler. Je sais pas pris c'est Neo ou Beerus ou quoi, parce que je sais pertinemment que rien que lui, pas transfo, il va me détruire. Donc ça sert à rien de prendre du Zeno ou quoi. Là, vraiment, c'est déjà terminé pour moi, hein, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à lui? Allez, tire. Imaginez, je gagne contre Cooler avec ce perso. J'y crois absolument pas. C'est, pour moi, c'est impossible. Oh là 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 là. Oi. Je fais des bons dégâts, mais ça suffira jamais. Hein. Je charge. Ah. Oh, mais abuse pas. Oh, les dégâts qu'il me met. J'y crois. Let's go. Quoi, il s'enfuit? Comment c'est possible? Allez, prends ton tarif. Oh là là, c'est tellement nul. Tellement pas de dégâts. Dommage qu'on puisse pas switch sur Kayle. Ça aurait été cool. Ah, je lui fais mal. Heureusement qu'il se transforme pas. Mais bon, à partir du moment où il va se transformer, ce sera terminé pour nous. Ok. Oh, imaginez, je gagne. Bon bah, c'est terminé. Aïe. C'est quoi ça encore? C'est sa charge. Oh. Ah, le salaud. Ah, il se transforme, ça y est. Il se transforme. Je vais tenter la dinguerie du siècle. Oh là. Ça va faire des dégâts, ça? Ah, mais c'est la même attaque. Ah, ça fait pas assez de dégâts, hein. Il prend vraiment rien. Ah, allez, mais comment il a fait pour sortir? Ah, mais c'est parce qu'on était au mur. Je veux dire, comment il a fait pour... C'est pas terminé! Oh, il a fait l'erreur de faire la mauvaise attaque. Oh non, ça touche pas, j'ai trop le seum. Bon bah, c'est mort, hein. C'est mort, là, les gars. Oh! Oh! On va win! Les gars, on va win, je suis mort. On va win. Oh, let's go! Oh, il récupère vite de l'endurance, il va falloir se dépêcher à faire l'ulti. Vite. Let's go! Il est mort, je vous jure, il est mort. Oh, il est parti? Mais non. Allez! Ah, oh, il meurt pas. Non, j'ai trop le seum. Je l'avais tué. Il a juste eu le temps de récupérer. Oh non, j'étais tellement bien. Bon. Bon, on voit les qualités et les faiblesses du perso comme ça. Il est... Très stylé, vraiment. Kayle Caulifla, mode super original. Tu peux fusionner en Kefla. C'est vraiment trop cool. En plus, elles ont des ultis de dingue. Franchement, pur kiff. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais c'est sûr qu'au niveau de la force, ouais, c'est clairement pas au même niveau que par exemple Jiren qu'on a testé la dernière fois. Qui était vraiment super fort. Même d'autres modes comme Black Cooler ou quoi. Là, en termes de puissance, ça reste quand même assez moyen. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Peut-être un petit peu plus courte que les dernières. Mais voilà, dites-moi, est-ce que vous préférez plus souvent des vidéos Xenoverse qui seront peut-être un petit peu plus courtes, ou alors une bonne grosse vidéo, peut-être une ou deux fois par semaine, mais avec un très 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 gros mode?
Dites-moi ce que vous préférez. Sur ce, moi, je vous fais des gros bazous et je vous dis à la prochaine pour un stream, une autre vidéo. Portez-vous bien, les gars. Bye bye.